Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, on commence le vlog ensemble. Je tenais tout d'abord à vous dire pourquoi il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Après, maintenant, j'évite. J'ai pas trop envie à chaque fois de faire un petit post comme quoi il n'y a pas de vlog cette semaine. Vous vous en doutez bien, s'il n'y a pas de vlog, c'est que j'ai pas eu le temps de quoi que ce soit. Donc voilà. Voilà, il y a juste ça comme excuse. Je n'ai pas eu le temps la semaine dernière. J'ai eu beaucoup, beaucoup de travail à faire concernant mon travail, la maison, les enfants. En plus, c'était les vacances. Donc voilà, j'ai eu pas mal de petites choses à faire et j'ai pas vraiment pas eu le temps de prendre le temps de vloguer. J'ai pas eu beaucoup de temps pour moi non plus. Donc le voilà, le pourquoi du comment. Je vais pas m'étaler dessus. Après, bon. Vous connaissez un petit peu ma vie quotidienne, donc je sais les personnes qui comprendront. J'ai eu juste un message en plus pour savoir pourquoi il n'y avait pas de vlog. Donc je pense que vous avez bien compris pourquoi il n'y en avait pas ce dimanche. Donc bref, j'espère que vous allez bien du coup, que vous avez passé une bonne semaine. Ben nous écoutez, comme je vous dis, la semaine dernière, il y avait pas mal de choses à faire. J'ai fait pas mal d'heures au travail. Ensuite, j'ai fait des commandes à la maison. Je me suis occupée des filles, la maison, enfin le ménage, etc. Donc il y avait rien de fifou la semaine dernière. Nous, il y a juste le dimanche. Bah, de toute façon, quand je vous ai pris en... Je crois que je vous ai fait le bilan du budget. Et non, même pas ce week-end-là. Moi, j'ai bossé, donc j'ai pas fait grand-chose. C'était le week-end d'avant où on est parti amener les filles à Monkey Park. Donc oui, c'était pas ce week-end-là. Ce week-end-là, moi, j'ai bossé tout le week-end. Il a pas fait très très beau, donc on n'est pas trop sortis. Et ensuite, bah, la semaine s'est enchaînée. Voilà, là cette semaine, c'est la semaine où il faut que je m'occupe de l'anniversaire de Luna, puisque le jour où je vous parle aujourd'hui même, c'est l'anniversaire de petite Luna. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour tous les messages que j'ai eus déjà sur Insta, tous les messages d'anniversaire. Merci, merci infiniment pour elle. Ça y est, ma petite bichette a 2 ans. Franchement, ça passe hyper vite. C'est un truc de dingue. Donc voilà, là, il faut que je me consacre un petit peu à son événement puisque je n'étais pas forcément avertie que je bossais 2 dimanches d'affilée. Donc ça fait que là, moi, je devais, j'avais prévu de faire l'anniversaire de Luna le dimanche 3 novembre. Donc le dimanche qui suivait son anniversaire. Et j'ai vu que je travaillais. Donc j'étais un petit peu dégoûtée sur le moment, mais je me suis dit que je vais quand même pas annuler son anniversaire. Donc dans tous les cas, c'est pas grave, on fera un petit goûter. Moi je finis à 13h, je rentre à la maison, je mangerai un petit bout et ensuite je préparerai ce qu'il faut avant que les invités arrivent. Après, de toute façon, c'est quelque chose qu'on fait en famille, comme d'habitude. Donc il n'y a pas tellement de choses à préparer. Le chéri commencera le matin. Après, comme on a dit, je pense que je prendrai des gâteaux déjà tout faits pour grignoter un petit peu, des petits bonbons, etc. Et puis, on achètera un gâteau pour que Luna puisse souffler sa bougie. Voilà. En tout cas, j'ai trop trop hâte de retrouver un petit peu la famille et que Luna puisse passer une belle journée. Là, à l'heure où je vous tourne, enfin où je vous parle, Luna est à la sieste. Il est pratiquement 14h. Je viens de vous tourner la vidéo, enfin la vidéo All She In que je voulais vous tourner depuis un petit moment et que je n'avais pas le temps de la faire. Donc là, je viens de vous la tourner. Je suis super contente parce qu'il y a plein de petites babioles que je voulais utiliser pour les commandes. Et franchement, là, je suis trop contente. Je suis en train de ranger un petit peu. Donc, je vous ai montré plein, plein, plein de stickers et tout. Donc, vous aurez cette vidéo aujourd'hui, hein, aujourd'hui sur YouTube. Donc, vous aurez déjà vu ce que je vous montre. Mais voilà, là, j'ai tout rangé un petit peu dans les petites boîtes que j'avais déjà achetées. Mais voilà, il me reste encore pas mal de petites choses à ranger ici. On a petit pompon qui fait dodo là. J'ai Mia qui regarde la télé. Voilà, donc j'ai pu être tranquille pour faire la petite vidéo. Franchement, je suis de repos aujourd'hui. Je me suis vraiment préparée vite fait pour la vidéo, mais vraiment. J'ai reçu mon colis Yves Rocher. J'ai fait une petite commande Yves Rocher aussi. Je me suis un petit peu lâchée. Je vous ferai certainement un haul parce qu'il est quand même assez gros le colis. Alors, j'ai pas pris énormément de choses, mais le colis est quand même gros. Après, je crois que c'est le cadeau. Parce que le cadeau, je crois que c'est un plaid. Et il doit prendre pas mal de place. Donc je vous tournerai ça pour la semaine prochaine. Hein. Je suis pas très pressée, donc je vous la tournerai soit cette semaine, soit début de semaine prochaine. Voilà. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui je suis de repos, demain aussi. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Luna, donc c'est sa journée. Elle a fait un petit peu ce qu'elle veut ce matin. Là elle fait quand même sa petite sieste.
Voilà, on n'a rien de prévu de particulier parce qu'il fait énormément du vent et il fait frais. Donc j'ai pas trop envie de sortir les filles, surtout que moi je commence à être enrhumée. Luna est toujours enrhumée, donc je préfère pas prendre le risque de sortir les filles. Et puis de toute façon, on n'avait rien de prévu, pas de rendez-vous, rien du tout. Demain c'est pareil, on va rester un petit peu à la maison, mais après le soir on va faire Halloween. Voilà, donc d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez fait Halloween. Donc moi les filles, hein, je vous avais montré leur déguisement, donc elles ont déjà leur déguisement. On va se préparer à la maison tranquillement, on ira faire un petit coucou à papa, on passera à son resto et on lui fera un petit coucou comme ça, et puis il pourra voir un petit peu ses filles, comment elles sont déguisées. Et ensuite on ira chez ma maman, rejoindre ma sœur, les enfants et tout ça, et puis on fera un petit Halloween tranquillou. Je pense que je vous reprendrai demain d'ailleurs quand les filles seront déguisées. Comme ça, je vous montrerai un petit peu. Alors, je suis pas très douée en maquillage, hein, mais bon, je trouverai un petit truc à mettre. Voilà. Et comme ça, vous les verrez un petit peu déguisés. Ça pourrait être sympa. Voilà, voilà. Moi, je vais essayer d'avancer sur mes commandes aussi. J'en ai envoyé 7, je crois, lundi. Donc, franchement, j'ai bien avancé. Là, j'en ai quand même pas mal encore à continuer. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien que tout le monde reçoit sa commande avant 2025, ce qui va être normalement le cas. Voilà, donc j'essaye de me speeder un petit peu sur ça. C'est pour ça aussi que je me consacre pas trop de temps pour moi. Et puis j'aimerais bien finir vite les commandes. Comme ça, si je peux essayer de passer un petit moment en famille, tranquille, sans avoir de pression de commande, ce serait cool. Voilà. Comment vous dire, bah après il n'y a pas de truc particulier à vous dire, franchement il y a rien, enfin rien s'est passé, enfin il n'y a pas grand chose qui s'est passé entre la semaine où j'ai pas vlogué et cette semaine là. Voilà, on a travaillé, on a Mia pendant les vacances, bah c'est un petit peu long pour elle, mais ça va, on essaye de l'occuper, on essaye de lui faire des activités. Voilà, on l'occupe quoi. Après elles sortent quand même, hein. Lundi elles sont allées, moi j'ai commencé à midi, donc je les ai amenées chez ma sœur, comme tous les lundis où j'amène Luna, mais sauf que là elle avait Mia puisque c'était les vacances. Donc voilà, elles ont été chez Tata. Moi j'ai commencé à midi, donc après le chéri est venu les récupérer le soir, donc elles sont pas restées très longtemps, mais voilà, ça leur a fait aussi du bien de voir leur cousin. Mardi, pareil, j'ai bossé à midi et demi. Mon chéri, lui, il était de repos. Donc, j'ai bossé jusqu'à midi et demi, jusqu'à 20h30, pardon, hier. Aujourd'hui, ben, comme je vous ai dit, c'est repos. Jeudi, c'est repos. Et après, j'enchaîne vendredi, samedi, dimanche. Et je crois que j'enchaîne après toute la semaine, il me semble. Il faudra que je regarde ça. Mais je crois que je dois être de repos le samedi qui suit. Je pense, je sais plus. Bref, et puis voilà quoi. J'ai pas fait énormément non plus de rangement dans la maison. Je voulais faire du tri, mais j'ai toujours pas fait. Ouf, franchement, j'ai envie de vous dire qu'en ce moment, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Bref, il faut que je retourne chez Action. Là, de toute façon, au mois d'octobre, on est sur 5 semaines au niveau du budget. Donc là, je vais vous faire la vidéo. Demain, je vous ferai la vidéo pour vendredi. Il reste pratiquement rien. Franchement, on est sur la 5e semaine et ça se voit que c'est un mois super long et riche en dépenses puisque il faut tenir les 5 semaines. Donc, il reste pratiquement rien. Donc, la vidéo va être très rapide, je pense. Je me tâte à vous faire aussi le bilan épargne et défi sur la même vidéo, mais je vais voir. Puisque moi, j'aime bien aussi le faire à part, ce genre de choses. On a aussi quelques épargnes qui ont bougé, mais ça, je vous montrerai ça voilà, dans la vidéo concernée. Voilà, et après, il faut que je fasse également mon remplissage. Mais voilà, après, tout s'enchaîne. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire, j'essaye aussi de créer des nouveaux défis pour 2025, c'est pas facile parce que franchement moi j'ai pas trop d'imagination et j'aimerais bien vous présenter des nouveaux défis, mais bon c'est un petit peu dur pour moi. Moi quand je vois tous les défis que tout le monde fait, franchement je me dis ils ont de l'imagination de fou et moi j'ai l'impression que mes défis à côté ils sont nuls. Voilà. Je le dis clairement, hein, voilà, il y a des fois où il faut le dire. Bon, je sais qu'après, vous êtes nombreux à aimer mes défis, mais c'est vrai que j'aime bien en présenter des nouveaux. Là, pour 2025, j'aimerais bien quand même faire un petit peu plus de défis jeux. Mais voilà, c'est un peu difficile pour moi parce que je trouve pas l'inspiration. Et puis, j'ai pas envie de copier sur les autres, quoi. Donc, voilà.
Bon, hein, c'est pas un truc urgent, mais quand même, quoi. Voilà, voilà. Là, je vais finir de ranger mon bazar. J'ai tout rangé, mes petites pampilles et tout dans les petites boîtes, là. Franchement, ça me permet de voir aussi le stock que j'ai et ce que je dois recommander. J'ai racheté pas mal de dés. Vous voyez, j'ai pris ces dés-là. Il faut que je trouve un défi à faire avec ça. Ouais, moins 3, moins 1. Il faut que je voie qu'est-ce que je vais faire avec ça. J'ai racheté également des dés avec le plus ou moins, mais ça, j'ai déjà un défi. Pareil pour ça, du coup, voilà. Bon, ça m'inspire, des fois oui, des fois non, mais bon, j'essaye de faire comme je peux, tout simplement. Là, je vais aller rejoindre ma fille au salon, je pense qu'elle est à fond dans son film, donc je vais pas trop la déranger. On est calme tant que Luna est à la sieste, parce qu'une fois qu'elle sera réveillée, ce sera la tempête, voilà. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait de votre semaine, de votre week-end, si je vous ai pas trop manqué, voilà. Mais voilà, après, faut savoir que j'ai pas forcément trop de temps. En plus là, les anniversaires s'enchaînent, il va y avoir Noël, la fin d'année et tout. Là, c'est vrai que arriver en fin d'année, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, en parlant de Noël, je suis un petit peu en bug sur les calendriers de l'Avent. J'aimerais bien avoir vos petites idées. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez décidé de vous commander, enfin, vous acheter. Quel calendrier de l'Avent vous souhaitez cette année? Moi, j'ai déjà acheté ceux des animaux, le chien et le chat. J'ai Mia, on a regardé ensemble, elle m'a choisi un calendrier de l'Avent avec des bijoux. Je vais également leur acheter un calendrier de l'Avent avec du chocolat. C'est voilà, c'est vraiment la... Comment on dit là? Ah! J'ai le mot au bout de la langue. Le rituel, voilà, on va dire, c'est avec du chocolat. Avec mon chéri, je pense qu'on va s'acheter aussi un calendrier de l'Avent Kinder. Puisqu'on en a très envie. Et moi, j'ai un calendrier de l'Avent que je sors chez Aldi, qui est juste sur les soins. Parce que moi, je voulais pas un calendrier de l'Avent make-up. Alors, je me suis dit que comme les produits Aldi, pour moi, je trouve qu'ils sont bien. Je voulais le tester également pour vous montrer aussi les produits qu'on propose. Et pourquoi pas vous donner mon avis, en fait, sur ce calendrier de l'Avent. Franchement, il est à 10 euros. Donc, moi, je pense que je vais m'acheter un autre calendrier à part. Mais je voulais quand même vous prendre celui-là pour aussi vous vous montrer les produits qu'on a et que voilà, je trouve que chez Aldi quand même on fait de bons produits. Donc dans tous les cas, avec Mia, nous on ouvrira les calendriers de l'Avent tout le mois de décembre. Voilà, tout le long du mois de décembre, on ouvrira les calendriers de l'Avent. Et comme ça, on vous montrera un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez choisi. Si vous hésitez encore, j'aimerais bien en tester des nouveaux. On voulait reprendre le calendrier de l'Avent Bonne Maman. Mais bon, on s'est dit qu'il faut qu'on teste d'autres calendriers de l'Avent. Donc, on est encore en pleine hésitation. Mais il faudrait peut-être qu'on se bouge les fesses pour pouvoir acheter notre calendrier de l'Avent. Voilà. Sur ce, je pense que je vous ai un petit peu dit plein de choses. Je vais finir de ranger mon petit bazar et ensuite je vais ranger un petit peu la maison le temps que Luna est à la sieste. Et ensuite on prendra le goûter tranquillement à la maison. Et j'ai pas prévu de petits gâteaux pour ce soir, mais bon, après Luna elle est petite encore, donc ça va. On se rattrapera dimanche, c'est pas très grave. Et puis voilà, voilà. Voilà pour ça, je vais essayer de m'avancer sur quelques commandes aujourd'hui. Je voulais que sur les deux jours, il y ait un jour où je sois un petit peu tranquille. Donc à voir, si j'ai le courage de faire quelques commandes aujourd'hui, je les ferai. Sinon, je les ferai demain. Voilà, moi je partirai plus pour demain quand même. Là, j'ai préparé quand même, j'ai imprimé tout ça, ce qu'il fallait. Il me restera plus que comme d'habitude, faire perforer, couper, etc. Donc on va dire, après c'est très simple. Une fois que tout est imprimé, il reste juste à plastifier, il faut découper, voilà. Après moi, une fois que je suis dessus, j'arrive à quand même les terminer. Donc et là, j'ai pas forcément la force aujourd'hui d'en faire un petit peu. Donc j'en ferai demain, puisque demain, nous à part Halloween, on n'a pas de rendez-vous, rien. Donc je pense qu'on fera ça. D'ailleurs, vendredi, on va aller faire les petites courses avec le chéri pour dimanche, et on va également aller acheter le cadeau de Luna. On sait pas encore trop quoi lui prendre. On va aller voir dans un magasin de jouets. Là, je sais qu'elle adore Monsieur Patate, etc. Et elle en a aucun. Donc on va voir. On va voir ce qu'on va lui prendre. Mais de toute façon, je vous montrerai ça dans tous les cas dans le vlog. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous reprendrai demain pour vous montrer un petit peu les déguisements des filles, comment elles sont habillées. Et puis sinon, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Pendant tous les cas, vous verrez ça dimanche. Mais je vous dis à plus tard pour une nouvelle journée. Hello, hello. Je vous reprends. Il est méga tard. On est samedi.
Je crois que le jour où j'ai commencé le vlog, c'était mardi, mercredi, je sais plus. Là, on est samedi. On vient de rentrer des courses pour l'anniversaire de Luna de dimanche. Les filles sont dans leur chambre. Vous, tu dis bonjour? Bonjour. Mais attends, je vous voyais pas. On dit bonjour? Bonjour. Tu dis coucou, Luna? Coucou. Coucou. On est en train de manger des bonbons. Super. Donc là, en fait, moi, j'ai bossé jusqu'à 15h30 et après, je suis venue récupérer papa et les filles et nous sommes allés à Carrefour récupérer, enfin, aller chercher ce qui manquait pour l'anniversaire de Luna puisque l'anniversaire de Luna était le 30 octobre. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous lui avez souhaités. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo budget, mais merci infiniment, elle a eu énormément de messages. Donc merci beaucoup beaucoup pour elle. Et nous on le fête du coup en famille dimanche, puisque c'est en pleine semaine, hein. Donc on le fête dimanche. Donc j'ai tout pris dans le budget anniversaire. J'ai acheté la décoration sur Amazon pour 10 €. J'ai pris un ensemble, je me suis pas cassé la tête parce que franchement j'ai pas du tout eu le temps d'aller à droite à gauche chercher de la décoration. Donc j'ai pris de la déco que j'ai reçue... 2 jours après, je crois. Donc, j'ai pris un ensemble comme ça, là. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, en fait, il y a une banderole Happy Birthday. Il y a des ballons. Oui, il y a beaucoup de ballons, d'ailleurs. Voilà. J'ai pas pris de nappe, d'assiette, de gobelet. Parce qu'en fait, j'ai énormément de stock. Que ça soit du baptême de Luna ou encore des anciens anniversaires. Donc, je me suis dit que je vais écouler un petit peu mon stock avant de racheter pour les événements. Parce que franchement, j'ai un stock énorme dans le placard là. Donc, je vais liquider ça. Alors, du coup, dimanche, on fait un goûter. Puisque moi, j'étais pas forcément au courant que je faisais 2 dimanches d'affilée. Que je travaillais 2 dimanches d'affilée. Et c'est tombé le week-end de l'anniversaire de ma fille. Donc, j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Hein, voilà. Et du coup, on fait un goûter. Au départ, je voulais faire un petit repas dînatoire le midi et finir par le goûter. Sauf que là, vu que je finis à 13h, ça sera juste pas possible. Donc, on a décidé de faire juste un goûter. Bon, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Comme ça, on réunit toute la famille. Donc, du coup, ça se fera entre 15h30 et 16h. Moi, le temps que je rentre, le temps que je me pose, que je mange et tout. Et comme ça, après, on fera le petit goûter. Donc, j'ai acheté... de quoi grignoter en termes de gâteaux et de bonbons. Et ensuite, on a acheté un gâteau à Carrefour, vraiment, voilà, pour marquer le coup pour les bougies, etc. Parce que comme on fait un goûter, je voulais pas acheter un gros gâteau à la boulangerie parce que avec ce qu'on aura déjà grignoté, j'ai peur que ce soit gaspillé. Donc, on a pris un Trianon. D'ailleurs, il est là, je crois. Je sais pas. Oui, il est là. Il est sur le bar. Là. Donc, on a pris un Trianon. C'est trop, trop bon. Vous savez, c'est le gâteau au chocolat avec le biscuit dessous. Et comme ça, elle va pouvoir souffler ses petites bougies. Après, en termes de petits gâteaux, j'ai acheté des mini muffins. J'ai acheté une barre pâtissière, un cake aux fruits et des petits brownies. Voilà. Et après, il y aura des bonbons à côté. Les boissons, on a tout acheté chez Carrefour. Donc, franchement, on a ce qu'il faut pour l'anniversaire de Luna. Voilà. Du coup, moi, je vous ai parlé. C'était quand ? Mercredi, je sais même plus quand est-ce que je vous ai parlé. Avec les filles, on a fêté Halloween du coup jeudi soir. Donc les filles, elles se sont super bien amusées. Alors Luna, elle était déterminée. Je vous ai fait une petite vidéo sur Insta et j'ai complètement oublié de l'enregistrer. Mais franchement, elles étaient toutes les deux sorcières. Elles se sont bien amusées. On a eu une bonne récolte. Je vous ai montré également sur Insta. Si vous ne suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Hein, comme ça, vous pouvez vous abonner. Mais du coup, elles ont eu une bonne récolte, elles ont eu même de l'argent. Franchement, voilà, ça a été une super soirée. Elles ont super bien dormi après, hein, évidemment. Mais on est parti, il était 17h, un petit peu moins de 18h. Et on est rentré, il était quand même 22h30. On a fait ça avec ma sœur, avec mes 2 sœurs et ma belle-sœur. Voilà, enfin mon ex-belle-sœur. Du coup, puisqu'elle avait son fils, donc on en a profité. Et franchement, tout le monde s'est bien amusé, tout le monde s'est voilà, a récolté plein de bonbons, personne s'est disputé, donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Moi, en concernant mes vidéos, mes commandes, écoutez, je suis tombée un petit peu malade hier. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Du coup, je suis très fatiguée en ce moment. J'ai commencé des commandes, mais il faut que je les termine. Donc là, ce week-end, c'est pas possible puisque j'ai l'anniversaire de Luna. Là, je vais aller mettre les filles à la douche.
Demain, c'est l'anniversaire. Si demain, les gens partent pas trop tard, pourquoi pas continuer les commandes. Mais ça m'étonnerait parce que lundi, je commence à 7h. Ouais, là, j'ai aucune fermeture sur le mois de novembre pour l'instant. Donc, je fais que des ouvertures. Donc, j'aurai pratiquement toutes mes après-midi. Donc, je vais pouvoir bien avancer. Là, en plus, Mia reprend l'école. Donc, déjà, je serai peut-être moins fatiguée. Et puis je ferai peut-être une ou deux siestes par-ci par-là si le cœur me donne enfin si me comment on dit si le cœur m'en donne m'en dit là bon bref vous avez compris mais moi je suis pas très sieste parce qu'après je me réveille je suis de mauvaise humeur. Après, je me dis que ça pourrait me faire du bien aussi. Après, en concernant les vidéos, je pense que j'ai pas eu de retard. Donc, ça, c'est cool. Vous avez eu un all Shein. Vous avez eu la vidéo du bilan du mois. Là, hier, j'ai fait la vidéo du remplissage pour le mois de novembre que vous aurez lundi. Il va falloir que je fasse également la vidéo de bilan des épargnes et des défis du mois de octobre. Mais là, Mia reprend l'école, donc ça va être plus simple pour faire les vidéos parce que quand elle est là, les deux ensemble, c'est pas possible. Pour ceux qui regardent mes vidéos budget, vous entendez qu'il y a du bruitage derrière. Voilà. Donc ouais, je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos là quand Mia sera à l'école. Bon, après, je suis pas à la bourre, j'en ai fait pratiquement tout le temps. Je vais vous faire également un petit haul Yves Rocher. J'ai fait une petite commande pour les produits Noël, donc je vais vous les présenter. Voilà, on dit bonjour Pompon, mon amour, voilà petit Pompon qui est là, Snoopy qui est dans son panier. Donc voilà, après en termes de commandes, j'avance, là c'est bon, les commandes sont finies, je n'en prends plus, ou alors les prochaines que je prends, ce sera pour 2025 et encore, voilà, donc vaut mieux pas que vous preniez de commandes. Je ferai un petit message le jour où je reprendrai les commandes. Là, c'était jusqu'à fin octobre inclus. Donc là, il me reste plus qu'à faire les commandes que j'ai en cours. Voilà. Donc j'ai regardé un petit peu. Je suis pas mal. En plus, je fais des échanges de défis avec des budgeteuses. Donc j'essaye d'intégrer les échanges avec les commandes. Mais je suis pas mal, on va dire. Donc ça c'est cool. Après, j'en ai quand même des grosses à traiter. J'essaye de traiter aussi les plus rapides pour que ça puisse partir plus vite. Là, j'ai commandé mon massicot. J'attends qu'il arrive pour que je puisse faire mes défis 12 mois, les formats A6. Parce qu'en fait, je vous avais expliqué, je crois, j'ai un massicot que j'avais acheté chez Bureau Vallée qui se tire comme ça. Et franchement, il y a des moments où il me coince et c'est chiant. Donc, alors que comme ça, ça va être peut-être plus simple. Et je pourrais couper plusieurs pages en même temps. Donc j'attends, il doit être livré sous peu, je l'ai acheté sur Amazon, il devait être livré entre le 31 et le 4 novembre, donc peut-être que je l'aurai lundi. Voilà, comme ça je vais pouvoir bien avancer sur les commandes. Lundi je finis à 16h45, donc je pense que les commandes ce sera mort le lundi. Mais à partir du mardi je finis à 13h45, donc j'aurai mes après-midi. Et ensuite je suis de repos tout le week-end. Voilà, donc là en fait mon dernier repos c'était jeudi, et là j'enchaîne jusqu'à samedi. Enfin jusqu'à vendredi inclus, et après je suis en week-end. Voilà. Doucement, Mia! Donc là, j'ai mon collègue de boulot qui revient d'arrêt maladie depuis 2 mois. Et franchement, je suis trop contente parce que ça va pouvoir nous enlever un petit poids. Franchement, ça se ressent quand il manque quelqu'un de, quand il manque un responsable, hein, clairement. Parce que, on prend beaucoup plus de travail à charge sur nous. Et je le ressens au niveau de la fatigue. Là, ça va pouvoir franchement m'enlever un poids et il me tardait vraiment qu'il revienne. Donc il revient dès lundi et je pense que je suis trop contente. Voilà, concernant les cadeaux que Luna aura, ben, je vous montrerai ça dans le vlog, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Nous, on a été lui chercher aujourd'hui, bon, elle était avec nous, mais bon, voilà. On lui a trouvé une peluche qui va l'aider dans le langage, qui va l'aider dans la motricité, etc. Donc on a trouvé ça chouette. De la marque VTech, donc je vous montrerai ça. Et puis comme ça, je vous montrerai les cadeaux qu'elle aura eu par la suite. Du coup, dans l'enveloppe anniversaire, j'avais un budget de 180€. Donc j'ai pris 10€ de la décoration, 10€ des petits gâteaux. On a utilisé 90€ là aujourd'hui pour tout le reste. Pour les boissons, le gâteau, le cadeau. Franchement, on est dans le budget. Je suis super contente. Il m'en reste pour les anniversaires du mois de novembre. Je vous ai parlé dans ma vidéo budget du remplissage, je crois, de lundi. Doucement, Mia, doucement avec ta soeur. Doucement. Quoi? Elle veut le chien, là. Tu peux, ben, ferme dans la chambre à maman.
Oui. Ben, ferme la chambre. Comme ça, elle le voit pas. Donne-lui un jus, là. Prenez-vous un jus, là. Mia, parce qu'il reste des jus, là. Prenez-vous un chacun. Ok. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, que moi, novembre, j'en ai 3 d'anniversaire et j'avais pas forcément prévu un gros budget pour mettre dans l'épargne anniversaire. J'avais prévu 30 €, mais j'espérais qu'il me reste des sous dans l'enveloppe anniversaire actuelle. Donc là, sur 160 €, j'ai dépensé 90 €, donc il reste 70 €. Oui, c'est ça. Il reste 70 €, donc je suis super contente parce que ça rentre dans le budget que j'avais prévu pour les anniversaires. Puisque j'ai fait un cadeau de presque 40 € déjà. Et il y en a un autre, je crois, à 38 €. Donc ça fait déjà 60, on va dire 80. Et j'ai un budget de, du coup, 100 €, 80. Et après, il me reste le cadeau de mon filleul. Donc je pense que je suis dans les clous, donc ça c'est cool. Voilà. Au mois de décembre, il n'y a pas d'anniversaire, donc ça c'est bon. Je vais pouvoir peut-être quand même mettre de l'épargne dedans pour les prochains. Parce que décembre, il n'y en a pas. Janvier, il n'y en a pas. Et après, c'est Mia au mois de février. Et au mois de février, Mia, j'ai prévu aussi qu'elle fasse l'anniversaire avec ses copines dans un parc. Donc, il faut que je mette des sous de côté. Si t'es sage. Hein? Si t'es sage, on fait ça? On l'avait dit en plus qu'on le ferait une année. Mais faut être sage. Parce qu'il faut que je t'achète les cartons d'invitation. Il faut qu'on voie... combien ça nous coûte de louer le parc, là. Ouais. Donc, il faut qu'on prépare ça. Mais comme j'ai, au mois de décembre, moi, j'ai le 13e mois et la prime trimestrielle. Donc, j'aurai largement de quoi mettre dans l'enveloppe anniversaire. Donc, ça, c'est top. Voilà. T'as ouvert celui de ta sœur? T'as ouvert celui de ta sœur? Donne, je te l'ouvre, maman. Donne-moi la bouteille, je te l'ouvre. Donne. Non? Tu veux pas que je te l'ouvre? T'en veux ou pas? Non. Tu dis bonjour? Coucou. Tu dis? Tu fais un bisou? Envoie un bisou. T'envoies un bisou? Non, toi tu dis coucou. Tu en veux ou pas? Non. Là, papa est parti me chercher des couches parce que j'ai complètement oublié d'acheter les couches en rentrant du travail. J'ai juste pensé à Pompon. Il y a une offre là sur les sur la pâtée pour les chats. Maman, il marche. Oui, mais tu le remets là-bas. Là, c'est ça là. Attendez, je vais le mettre là. Voilà, donc c'est des émincés. Non, pas des émincés, si. Si, c'est ça. Des menus, je sais pas quoi là, en sauce. Et ils avaient sorti ça de la marque Félix à un moment donné. Là, ils ont sorti la marque Cachée. Alors, je sais pas si c'est une marque ou si c'est la marque de chez Aldi, j'en sais rien. Mais du coup, il y en a 48 dedans. Et c'est, je crois que c'est, bah, c'est format XXL, mais il y en a... doucement. C'est quoi la promo? Je sais plus. Il y en a 12 au poulet, 12 au bœuf, 12 à la dinde et 12 au saumon. Allez, il en a pour un moment. Mon sac! Mia, ramasse mon sac, s'il te plaît. Elle a ramassé deux pièces. Bah oui, c'est mon porte-monnaie. Donc, s'il est ouvert, on est mal. Attention, on le met pas à l'envers. Tu peux le mettre sur la table. Mets-le sur la table, ça. Comme ça, elle va pas me... Dans le sac, il n'y a pas de sous. Donc, c'est bon. Donc, ouais, j'ai pris ça à Pompon. Et j'ai oublié d'acheter les couches. Donc, il est parti les récupérer. Enfin, les chercher à Aldi. Oui! Mais je t'ai dit qu'il marchait pas, le 8. Eh oui, tu l'as cassé. Donc voilà, et Mia, elle a fait quelques devoirs aussi pendant les vacances. Pose-moi ça, dépêche-toi. Elle écoute toujours rien, voilà, ça n'a pas changé. Hein. Donc je pense qu'on va la mettre en pension, hein, n'est-ce pas? Non, jamais d'habitude, tu ferais ça. Oui, alors ça, tu sais pas. Même si, ouais, c'est je ça. Suis ta fille. Et alors? C'est pas parce que t'es ma fille que je vais pas te mettre en pension, hein? Enfin voilà, donc je suis contente qu'elle reprenne l'école parce qu'elle est insupportable. Voilà. Après, ben, Luna, ça va. Hein. Écoutez, hein, Luna, tout va bien. Elle était enrhumée là pendant quelques jours et ça va mieux. Donc, je suis contente parce qu'elle avait vraiment le nez encombré. Et je lui faisais l'espèce de seringue, la pipette là, avec le sérum Phi pour pouvoir la dégager un peu. Mais là, ça va mieux, donc je suis contente. Je suis contente. Voilà. Ben, écoutez, là, moi, je vais aller mettre les filles à la douche. On va aller à la douche, les filles? Quoi? Eh oui, on va aller à la douche. Maman, elle va y aller aussi. Et papa, après, va faire à manger. Tu vas venir avec nous dans la douche? Non, c'est chacun son tour. Non, mais... Oh, ça va pas, non. Mais moi, j'ai Luna
un truc. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, papa décide de faire de la saucisse et des pommes de terre ce soir. Donc, voilà. Quand il est là, il fait des bons repas. Donc, j'en profite. Après, quand il n'est pas là, bah, avec les filles, on mange un peu ce qu'on a dans les placards. Mais je profite qu'il soit là. Il avait 3 jours de repos. Il a fait le pont là du 1er novembre. Donc, il était plutôt content. Ça l'a reposé aussi. Bon, il est un petit peu malade. Mais ça l'a reposé aussi. Et là, on reprend tous les deux lundi. Donc voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, on va clôturer le vlog ici, donc qui était pas très très long, mais bon, comme je vous ai dit, je vlog quand j'ai du temps, et c'est vrai que cette semaine, on était un petit peu chargé parce que c'était la semaine de l'anniversaire de Luna, donc il fallait que j'aille chercher ce qu'il fallait, etc. Voilà, et puis voilà, donc vous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, et je vous souhaite de passer un très bon week-end, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites ce week-end. Et si vous avez du beau temps surtout, ouais, parce que nous, il fait pas froid, mais il fait gris, voilà. Maman, il fait gris, oui. Ben oui, et oui, je joue avec le câble, super. Donc voilà, et ben écoutez, on vous fait des bisous, vous faites des bisous, Mia, bisous, voilà, Luna, bisous. Tu fais bisous? Non, elle s'en fout, elle a pris le sac à maman, elle fouille le sac à maman. Ça va, il n'y a rien de dangereux, mais bon, quand même, je vais aller le ramasser. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et un nouveau vlog, si, et bien évidemment, j'ai le temps. Mais normalement, vu que l'école aura repris, ça devrait aller. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, passez un très bon week-end et on se retrouve la prochaine fois, enfin la prochaine fois, la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.